J'ai dit avant que tu le dises, attends, tu C'est regardes. parti, les gars. Ok, Premier une match. initiative particulière sur Philippe l'équipe. passe. Pourquoi il joue Panda deuxième? Surprenant côté. Je sais pas qui est qui. Alors du coup, nous avons en rouge Cristiano Ronaldo et en bleu Sonate, donc l'overlay est correct, donc tout va bien. Et passe à split toute la team adverse. Pour éviter les boosts de l'Ossa, c'est bien vu. Ouais, c'est très bien vu. Et il savait ce qu'il faisait parce qu'il a fait son tour en 7 secondes. Bon, après, sur cette map, c'est un peu le tour que tu fais, tour 1, t'es obligé. Mais tu t'exposes à ça, ouais. Plein d'invoques. Ça qui me fait un peu peur dans cette compo, c'est qu'ils vont jamais clean les invoques. Ouais, sur cette map, ça nous arrivait assez souvent de voir le Xel aligné avec le Fekka surtout. Dans la BPL habituellement. Une colère logique. Tu vois, ça l'éloigne, mais ça va pas le tuer, ce crackler. Hein. J'ai mis 10% gratuit. Ah, on pourra pas le tuer, c'est sûr. Bah, il est crapaud, ça va coûter cher, et le problème, c'est qu'il va zoner, quoi. Après, on a un NK flip, hein. Attention. Hein. Esquivons roulette. Tout peut arriver avec un NK flip. D'ailleurs, Ça on en a ressemble à deux. l'équipe première ligue depuis le début là. C'est vrai qu'on en voit, hein. On en voit. Alors que sur l'RWC, on n'en a pas vu du tout. Et là, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Et là, c'est bien joué de la part de Yama qui trouve un bon Rasta et qui coince Niam. Et le Shaffer qui crit. Pas de paire, on peut pas tout lui demander. Et très bien, merci Siran. Merci beaucoup. Est-ce qu'il tente le détacle? Est-ce qu'il va oser? J'en suis pas sûr. Il faut le faire. Va-t-il le faire? Il est en cutane. Il faut y aller. Je ne crois pas qu'il ait les reins, malheureusement. Eh non, Après. il ne le fera pas. Hein. Aïe. Ok, Ok. donc, roue de la fortune. Et bâton, yes. Yes, du spectacle. Allez. Allez, il y a une zone bâton directement à prendre pour Sergent. Et le. Est-ce qu'il y a ce bâton-là? C'est un ch... Oh là là, c'est. Dis-nous tout, Arty. Le C'est pas une. connais-tu? Le On connais-tu? tape neutre terre haut. Waouh. Bon, habituellement, les dégâts sont quand même un peu plus élevés. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses de ce bâton, justement, Arty? Dis-nous tout. Bah écoute, c'est là, après un vu, c'est pas mal, ça a tapé quand même. Et là, on Faut a un penser qu'on se Arcady. trompe. Hein. Hein. Et un Bah, Arcadie pour ouais. renvoyer la balle. Et bien sûr, c'est naturellement le champ panique pour l'autre Eka Flip. C'est ça, il a un petit surnom. J'appelle comme ça, mais je ne peux pas le révéler en live là. Ouais, tu peux. Hein. Après. C'est le champ makinik. D'accord. Bon, Honnêtement. c'est. Non, ça passe. Ça passe. Ça va de soi. Ouais, ça Ah, ça passe. va de soi quand il est bien utilisé, attention. Certains dans le chat auront la ref. Je pense qu'on a tous. Oui, enfin bon, je suis pas à la ref, il est sourd donc. Alors du coup, ça joue Yop dernier. Potentiellement, pas de coco pour ce Yop, hein. Il peut se faire coco avant de lâcher la sienne. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, Kilo. Oh, bien vu ça. Et Et pour les deux l'instant, paires gratuites. ouais, pour l'instant, les chaffaires, de la réussite des deux côtés. Mais Ah, mais il y a un c'était dans ça. sans compter sur Stossa et ce fouet, exactement. Et c'est bien joué, puisqu'il avait donné deux PA juste avant, comme tu le disais. Bah, ils ont tout à gagner clairement à full invoqué là. L'équipe bleue, donc Sonate. L'équipe de Sonate. 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 Risuris. Visuris, exactement. Ah, tu vois, ça reste, hein. Ça reste, hein, dans les esprits, quand même. On Non, il faut pas faire le diffusera. petit Kelzer avec la voix On aurait et pu, on l'accent. aurait pu. C'était le moment de gloire pour les streamers. On diffusera le teaser du Téléboon en fin de Faut pas stream. faire Rekor, ils n'ont pas. Si, Il n'y a on pas y un sera. Rekor. Si, Ah, ouais, ok. on y sera.
On y sera, mais on a prévu autre chose. On a prévu autre chose. On fera pas le rush XP, nous. On fera pas le in-game, on va dire. La partie in-game, on la fera pas. Mais on fera complètement autre chose et quelque chose de super, a priori. Ouais, d'inédit, ça c'est sûr. En tout cas, ce crackler qui est toujours là. Mais il va rester. Et on prend Va laisser 10% de raise à tout le monde. Hein. Et on prend une belle zone épédiope. Ça permet de terminer une invoque, c'était ce Prespic. Il y en a toujours Schaffer. Il a pas donné les PA au tour d'avant. Le Schaffer de Gamma. Il est timide, mais ça va le faire. Ça va commencer à safe low, ça, c'est pas bête. Hein. Il faut y aller maintenant. Ah ouais, c'est... Ce que je m'imaginais dans mon esprit, les vulnés qui partent sur Steka Flip, on se retrouve à 5% de résistance. Pour limiter le random. Et non, j'assume pas de. Pas de téléphone. Alors, on te passera le teaser tout à l'heure, Jassib. On te le passera. Tu sauras tout. Et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu, non. Sa zone maintenant, ouais. Ok. Et la preuve qui est partie sur Steka Flip, du coup, on le disait juste avant, qui venait de prendre des vulnés. On est assez éloigné pour Sergent, là, les Caflip. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut la jouer beau jeu ou pas? J'ai pas vu quelle était sa strat actuelle. On va aller chercher une zone bâton, encore une fois. Ouais, il a ouais on va avoir 8 PA, ouais. On pourra taper deux fois. Il a raison. Ouais, oh, tartinium, ça quand tape, même. Hein, ça tape en crit, hein. Ce fameux bâton Arty. Ouais, le champ machinique, écoute, bah, très puissant. Hein. En plus, il a deux mains, quelle aubaine. Ça laisse le bouclier sur les autres, c'est altruiste. Exactement. Exactement, Roshi. Ça change de voir des Eka. Et encore okay. Les coups d'Arcadie, ça crit. Ça ne tape pas très fort, mais. Ouais. Ça spit aussi les dégâts, quoi. Ça tapait un peu l'Ossa, un peu le Panda. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal, en fait, parce que c'est vrai qu'on a les trois lignes. On atteint les 400 presque. 50, sur quasiment 50% en haut, c'est pas dégueu. Ouais, c'est vrai, c'est pas si mal. C'est une intimidation pour éloigner le panda de Lenny, ça peut être pas bête. Hein. Est-ce qu'il y a pensé? Rose de pierre. Yes. Il y a pensé. C'est parti en tout cas sur Niam. Hein, il est neutre, Billy. Le champagne qui est neutre. Et Niam qui se retrouve à 2300 HP. Ouais, je suis un peu de ton avis sur Anne. Ça dépend quand t'es taclé ou que s'attendait à avoir plus de. Salut mon Maglu. Sur la map. Bon courage à toi Maglu pour le taf. Bisous. Salut Maglu. Ouais, je suis de la vie de Sven parce que je suis fan des zones et je trouve que t'en trouves assez facilement sur une petite map logiquement, mais après c'est pas dégueulasse non plus, ça reste un bon cac quoi forcément. J'ai cru que t'allais dire je suis de la vie de Sven parce que je suis fan de lui. Oui, également. Également. Ah, oh, il tape fort, hein, fouet. Après, il a mis que des crits, mais. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, il me dit gros fouet. Puis il a tout one shot depuis tout à l'heure. Schaffer à 1400. La Loasta encore. Ils sont où les terps? Salut, mon vieux simplet. Ça veut. Il débuff la preuve de l'Eka. Est-ce qu'il va le faire, dragon? Ou alors ça par contre. Parce qu'il y a un malus dessus là. Et non. Deux malus même. Ouais. Bah ouais, il l'a pas fait, c'est logique. Non, il a debuff son panda. C'était sûr. Mais c'était sûr en fait. Mais c'était vraiment sûr pour le coup. Merci à toi petit débel, merci beaucoup mon vieux. Bon courage à toi. Merci petit débel. Allez, colérique, maîtrise des arcs, on se booste. On veut voir du dégât, s'il vous plaît, messieurs. Arcadie. C'est léger, encore. Ah, c'est pareil. Un crit, par contre.
Aïe aïe aïe. En crit, ça cogne. Vous êtes dur parce que de nouveau du 560 sur presque 50%. Non. Presque. C'est la nuance, presque 50%. Ouais, il y a 48, excuse-moi. Après, je m'attendais à des dégâts plus conséquents que ça sur 48 seulement. Seulement. Il a buffé CLS cependant. Bon, il a des buffs, ça va. Ouais, ça crit pas, mais ça débuff. Et Tuissan qui a pris cher quand même, hein. 4 PA en moins aussi sur la souillure d'avant. Bon, ils ont le panda qui est par terre et l'Ossa qui est par terre. Je pense que tu focus l'Ossa là, non? En vrai. En plus, on est tour 3, il y a bientôt plus de stab dans 2 tours. Ouais, ça serait pas. Ça serait, je pense, le meilleur move à faire. On est à 2600 HP pour cet Ossa. Bon, après, Gamma est à 1500, mais on sait que l'Ossa peut avoir la laisse juste après. Salut à toi, Abdou. C'est pareil, ça salut à toi tous, gars. Salut les gars. Installez-vous. Unmanid. Est-ce que ça va roulette là? Et ouais, ça roulette. Alors... Roulette soin, ça non? Ouais, roulette soin. Ouais. Pour les ennemis. Pour tout le monde. Et ça peut mettre bien l'équipe de PP. Salut à toi, Quizen. Comment vas-tu, mon vieux? Yo, Quiz. Et encore, ces coups de champ panique. Ouais, ça crie de pomme, ça s'acharne sur les cas. Ils veulent le. C'est un genre, ils jouent comme Ayop. Et ouais, on le disait juste avant, ça part sur l'Ossa, ça tente la récop. Non, ça ne passe pas, malheureusement. On en avait qu'une à mettre. Enfin, un récop, pardon, à mettre. 1900 HP, progressivement Stossa tombe sous la barre des 50%. Non, pas du tout, Rochif. Si, évidemment. Mais oui, pourquoi pas. Maternelle, je crois, non? Peut-être. Allez, attention, Mitro, on a bon, maîtrise. C'est une maîtrise des épées. Oh, et encore le... Les gros coups d'Aztec, on a que des gros coups d'Aztec. Hein. Ah, sur Ayop en même temps, ça. Ça facilite. Ouais, comme nous le rappelle Caraco. Exactement. Et je ne peux pas panter, je n'ai pas le temps, mon vieux. Je n'ai pas le temps. Léger avantage pour PP quand même. Bah ils ont ils ont su mettre plus de dégâts. Le problème c'est que il y a pas de régène pour Quaresmé. Il y a pas de possibilité de se soigner et au pire des cas même si Gamma peut le porter et ben Gamma il a 1600 HP et 1500 HP donc on peut vite le terminer aussi. Après, bon, après, attention, hein, les Kaflip est presque tombé hein, pour Etuisan. Même si là, on se retrouve sur le dos de Passoa et on est stab. Avantage PP, potentiellement. Et puis pour le coup, ma PP a du soin, quoi, contrairement à. Exactement. À son ace. C'est vrai que Razei, ça fait très longtemps que moi, personnellement, j'en ai pas vu. Très très ça longtemps. Et d'ailleurs, ça fait plaisir. Ah, et encore, ouais, les coups d'Arcadie qui partent sur cet Ossa, on se retrouve 1100 HP. Ça va être chaud. De la charge à moi. Ah, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud pour Sonnite. Hein. Je sais même plus pour qui j'ai voté pour la prédit. Ça commence petit à petit à sentir bon pour nos amis de Pristiano Penaldo. Non, on n'a jamais vu de drone, les gars. Je vous rassure. Ou une arachnocrite par un panda.
Espanda qui a posé un Chafer crit plus une arachne crit, de la réussite et en plus ce Chafer qui donne les PA. C'est peut-être un du peu bon tard. Travail. C'est peut-être un peu tard malheureusement. De toute façon, on a des roulettes qui vont arriver, hein. C'est une certitude, là, à un moment donné. Ouais, les Zekias, ça sert, voilà, ça sert à ça aussi. Ils se sont pas privés. Oh, petit mot curatif, ça. Pourtant, il y a une roulette soin, je crois, dessus. Ouais, normalement, il a toujours la roulette soin dessus. C'est pour ça que... Ok, il veut pas faire de soin. C'est pas son objectif premier. Ça continue sur Quaresme. Encore une soin. Dans le chat. Encore une soin. Ouais. Pour tout le... Et donc que pour eux par contre. Le problème non, c'est que... Tout tour. Les Kala et les Nila. Ouais, c'est juste. Ah oui exact, pardon. Ça va être double focus sévère. Hein. 600 HP sur l'Ossa. 1005 sur le Panda. Ouais, on va terminer l'Ossa là, on peut le finir. Hein. Avec, ouais, avec l'Arcadie. Est-ce que l'autre Panda ne tombe pas? Ouais, ça c'est fini, ça termine largement. Cette Ossa qui tombe. Il y a Mitro qui arrive à fond sur le panda là. Il y a Mitro et il y a la Coco normalement Mitro, qui est prochain tour. On a la Coco du côté je voulais de. Pas qu'on spoil mais ça se tape. Le truc c'est que sur la map 6, comme c'est quand même PM. Un peu moins tactique que les autres maps on va dire, du fait que ce soit serré, on oublie vite ce genre de timer. Ouais, on a la Coco prochain tour maintenant. Et il va y tente. Ouais, ça va bourriner Passoa. Hein. La stab. Quelle erreur. C'est dommage ça. Surtout qu'il pouvait encore claquer une as. Aïe aïe aïe. Dommage. On a gâché un petit peu. Bon, après c'est pas. Alors on va coco qui? On va coco Liop, c'est logique. Hein. Tu le coco, il coco pas. Alors je ne sais plus si colérique. Alors si colérique. Si c'est maintenant, il va. Il a la coco. Il a la coco. Juste... Allez souhaiter une excellente soirée. Salut à toi Mitro. Allez c'est fini. La coco 3388. C'est et terminé pour ce Yop. Et là ça ne fait aucun doute. Ça il reste un Eka flip attention. Oui. Bon. Sait-on jamais. C'est vrai avec les Eka. Bah, une petite passe tour. Il tue le panda en face. Après il n'y a plus de coco. Ouais c'est embêtant. Sait-on jamais. Mais... C'est Cristiano Penaldo qui prend une belle option pour cette première victoire dans ce BO2. On le rappelle, on aura un deuxième match avec une composition d'équipe complètement différente des deux côtés. Puisque dans cette BPL, on le rappelle, on n'a pas le droit d'aligner les mêmes classes sur le premier match et sur le deuxième. Ça donne tout sur Passo. Et si Gamma a mis son Eka là et qu'il s'est mis dans ce coin-là, c'est pour bloquer toute ligne de recon ou de soin. Exactement, c'est bien joué. Combien ouais, de PM pour Niam? On a 5 PM. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Impossible. Ah non, impossible. Ça va être trop compliqué, mais bon, on va... Du moins revitalisant, peut-être, dans le tas. Oh, échec modatrice, mais 6 PA perdu. C'est très grave. Alors ça, c'est quand même exceptionnel. Alors là, c'est très très grave. Non, c'est très grave. J'allais dire... C'est très très grave. Il y en a encore une. Ah ouais, non, là, c'est... Il n'y en a plus, par contre. Non, c'est terrible. C'est terrible. Celle-là. Non, on trouve quand même un mot de silence. La passe tour. Ouh. Mais c'est pour eux. C'est que... Oh non, c'est pour eux. Quel enfer. Bon, mais ça rattrape les deux EC sur et les... Un EC caca. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Ça quitte là-dessus, normalement. Il faut passer à autre chose, là. Mais moi, il faut passer à autre chose. Les recopes passent, tout est... C'est fini. C'est Gamma a changé de côté. Là, c'est fini, c'est fini. Le Yop va jouer en plus après, donc Gamma va tomber. Et le destin a décidé que. On a quand même eu 2-3 petits sketchs là. Mais je me disais en plus, depuis le début, on n'a pas eu grand chose qui pourrait changer un combat, des ECK, etc. Là, on a tout eu en un tour. C'est ça. Tu passes Panda, c'est dommage, 14 HP. Mais il passe son tour. Mais il passe son tour, donc c'est pas très grave. Bon, ça aurait été quand même assez rapide, hein, je pense. Hein. Aïe, il s'est cogné, je crois. Aïe, 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 aïe. C'est un kill libé, les amis. C'est un kill libé. Le gars était derrière, ça va. Je croyais que c'était cogné, moi. Ouais, c'est... Non, il s'est cogné. Okay.